Bonjour à tous, bienvenue sur Pêche au Coup TV pour ma première partie de pêche de l'année. J'ai décidé de la faire sur une petite rivière de la banlieue de Strasbourg. Une rivière donc qui dit rivière dit courant, donc ça ne gèle jamais ici, il a plutôt fait froid là ces derniers temps. Donc les canaux et les étangs sont encore pris. Donc j'ai décidé d'aller plutôt en rivière. Donc ici le courant est continu et constant toute l'année en fait. Hein, l'hiver, la particularité c'est que on arrive à faire des pêches assez sympas ici de gardons, voire de chevennes ou de quelques hautues en fonction du courant. Il arrive de prendre quelques plaquettes, mais c'est beaucoup plus rare. Donc l'eau, comme je disais, l'eau est plutôt froide hein, puisque on est en plein hiver. Et pour cette première partie de pêche, j'ai décidé de la faire grâce à une technique que j'affectionne particulièrement, qui demande pas beaucoup de matériel, un peu de préparation à la maison et puis une bonne approche au bord de l'eau. Mais par contre, c'est quasiment en hiver, c'est quasiment la garantie d'avoir toujours des touches. Alors, cette pêche particulière, je la pratique au pain. C'est-à-dire que je vais amorcer avec du pain uniquement. Là, pour le coup, comme il y a pas mal de courant, je vais l'alourdir avec un petit peu de terre de taupinière pour être sûr que mon pain va descendre bien sur le fond. Et puis à l'hameçon, je vais placer que des petites boulettes de pain aussi. Donc là, pourquoi le pain fonctionne bien? Déjà, le pain lui-même est nourrissant. Et puis l'èche qu'on va placer à l'hameçon, en fait, elle est voyante. Donc là, comme je disais, l'eau est plutôt claire. En plaçant une petite noquette de pain à l'hameçon, on est quasiment sûr que tous les poissons à la ronde vont les voir. Alors le pendant de cette technique, c'est que c'est pas très sélectif en fait, c'est-à-dire que c'est un petit peu au bon vouloir des poissons, c'est-à-dire que on amorce, et puis on peut prendre indifféremment un gardon de 5 grammes comme un chevenne de 200-300 ou un gardon de 100 grammes, peu importe. Mais la particularité de cette pêche, c'est qu'elle est très très active, c'est-à-dire qu'il faut pas s'endormir, il faut aguicher, rappeler assez régulièrement. Et puis comme le pain est une neige assez fragile, même si on est arrivé à faire 4, 5, 6 coulées, ici le courant est vif, comme je disais, les accros peuvent être un peu nombreux sur le fond, je vais être obligé d'utiliser une ligne assez lourde, donc je vais être obligé de rééchier assez régulièrement. Mais par contre, c'est une pêche très très ludique et c'est aussi une pêche, comme je disais, une pêche active en fait et qui est très bonne pour les réflexes. C'est un petit peu, je la compare assez régulièrement à la pêche au chenvi, c'est-à-dire qu'à la moindre touche, il faut ferrer. Alors, la préparation du pain est vraiment très très facile. Et donc le résultat, en fait, le conserve dans un petit sac de congélation pour l'emporter avec moi au bord de l'eau. Et vous allez voir, en fait, ce qu'on obtient, c'est du pain comme ça, très friable. En fait, hein, on le voit, il est en pure sortie du blender, il est très 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 friable. Par contre, c'est très facile aussi d'en faire une boule assez compacte. Donc il suffit de presser. Et puis voilà, on obtient une boulette de pain vraiment très très solide. Alors en l'état, ça pourrait être possible de l'utiliser comme ça, en amorçant tout simplement s'il y avait très peu de courant en étang ou en canal. Mais là, comme il y a du courant, je vais être obligé de l'alourdir un petit peu. Bon, alors comment je procède? C'est facile. J'ai mon bac là, j'ai déjà préparé un petit peu de pain pour tout à l'heure. Donc en fait, je me sers d'une coupelle pour mesurer ce que j'utilise, donc c'est facile. On prend un bac sous, donc je vous conseille d'utiliser un bac comme ici avec un couvercle, c'est pratique parce que si jamais il vient gelé ou à pleuvoir, là tout est à l'abri. Donc en fait, je prélève dans mon sac une coupelle de pain. Et comme je disais tout à l'heure, hein, de terre de taupinière fraîchement tamisée, et j'y mets autant de terre. Il suffit de mélanger le tout
pas besoin d'ajouter d'eau, hein, surtout pas, parce qu'avec la terre, sinon ça risque de faire un conglomérat assez infâme et puis pas du tout facile à manipuler. Donc voilà, le résultat obtenu, c'est facile. Hein. Terre à 50%, amorce, enfin amorce, si on peut dire, pain à 50%. Et là, grâce à l'humidité de la terre qui va venir juste mélanger, se mélanger facilement au pain, je vais pouvoir faire des boules beaucoup plus compactes. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc mon amorçage de départ en fait va consister en simplement déposer à la poubelle 4 boules de cette taille là à peu près, hein, une bonne grosse mandarine, sans aucun autre ajout, c'est-à-dire pas de pinky, pas de foodie, rien du tout, juste ça. Et comme vous allez pouvoir, comme vous pouvez le voir en fait, hein, je vais vous faire un petit essai en bordure. Hein. Donc je prends une boule, je la serre bien. On voit bien, hein, ça descend comme il faut, pas de problème. En fait, donc ce mélange pain de mie broyé et terre de rivière va me servir d'amorce tout simplement. Et par contre, pour l'hameçon, je vais utiliser un pain différent. Donc voilà, ça c'était pour la préparation de l'amorce. Donc pain de mie, un temps pour un temps, c'est-à-dire un pain de mie et terre moite-moite. Donc voilà, pour l'hameçon. Je me sers également de pain de mie pour l'hameçon. Je vous montrerai aussi comment le préparer à la maison, c'est super facile. Donc en fait, je prends une tranche de pain que je prélève de mon paquet de pain de mie que j'ai acheté au supermarché. Je le passe 10 secondes au micro-ondes. Et ce qui va, il va se ramollir un petit peu, et donc sous l'effet de la chaleur. Et puis je vais y passer 2-3 coups de rouleau à pâtisserie en fait, hein, tout simplement. Donc on obtient une tranche comme ça, beaucoup plus fine, hein, comme vous pouvez voir, plus élastique aussi, plus résistante. C'est la raison pour laquelle je fais ce petit passage au micro-ondes. Et donc en l'état, il est parfaitement échable en fait. Hein. Donc pour le conserver, je le mets pareil dans des petits sacs de congélation comme ça, tout simplement. Hein. Donc genre, avec deux tranches, vous en avez largement assez pour pêcher toute la journée. Parce qu'en fait, on va se servir de toutes petites noquettes pour placer à l'hameçon. Et donc, deux tranches, ça suffit largement pour pêcher toute une journée. Donc, pour placer ces fameuses noquettes à l'hameçon, j'utilise ce petit accessoire, en fait, hein, qui est la boîte, la punch box de Gourou. Donc, elle consiste en fait à bloc à tiroir comme ça, dans lequel on trouve en fait, hein, ces emporte-pièces qu'on appelle des red punch en fait, en fonction de chacun. Donc c'est ces espèces de petites seringues là. Donc, ici, en plusieurs millimètres, hein, donc il y a 4, 6, 8 et 10 millimètres. Pour ce qui me concerne, je vais utiliser le plus petit, c'est-à-dire le 4 mm, c'est largement suffisant pour pouvoir pêcher mes garnons. Et donc en fait, voilà, ça se présente comme ça. Ici, on stocke son petit morceau de pain. Comme vous voyez, j'ai déjà prélevé une partie de ça. Donc on se sert de n'importe quelle pièce. Il suffit d'appuyer fort sur la galette de pain qui est elle totalement à plat. On fait un petit tour de la seringue. Et ici, en fait, on voit tout au bout que le morceau de pain a été emprisonné. Donc il suffit ensuite tout simplement d'appuyer sur la seringue, le bout de pain est là, et puis il n'y a plus qu'à lécher. C'est très facile. Grâce au passage au micro-ondes, le pain est un petit peu ratatiné et il tient beaucoup mieux à l'hameçon que si on le mettait directement comme sorti. Non seulement parce qu'il fait froid, bon là aujourd'hui pas trop, mais si des fois il fait très très froid, c'est plus facile d'écher un morceau de pain avec un hameçon de tige. Donc là il suffit juste simplement de positionner l'hameçon au centre et voilà, c'est prêt à pêcher. C'est aussi simple que ça. Donc comme vous le voyez, hein, ça forme
Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait ici il y a pas mal de courant. Donc c'est une pêche où il faut pas bloquer complètement la ligne, il faut la retenir, l'accompagner dans le courant en fait pour que lorsqu'on retient, donc le flotteur est là pour ça, en fait on retient, le flotteur on le bloque, et puis l'èche se soulève tout doucement du fond et c'est à ce moment-là que le gardon ou l'autre poisson en fait va venir directement choper là-bas. Donc pour pratiquer cette pêche, hein, j'utilise un flotteur forme boule. C'est la forme idéale pour pouvoir pêcher dans le courant. C'est ce qui va me permettre de bien retenir ma ligne dans le courant et qui va opposer la résistance nécessaire pour que je puisse accompagner mon mèche tout au fil de la poulet. Donc là, ici, c'est un SPM 33, un flotteur Garbolino SPM 33. Donc une forme boule tout à fait classique, hein, qui ressemble au Jean-François de chez Sensas. C'est une forme qui a fait largement ses preuves. Il est équipé d'une antenne en plastique. L'antenne en plastique, elle va rester visible, même si je pêche pas très loin du bord, mais surtout, elle va éviter en fait que le flotteur ne soit aussi emporté trop facilement dans le courant, parce qu'il y a du courant, mais il y a aussi des aspérités sur le fond, des feuilles mortes, des petites branches, ce genre de choses. Donc en fait, la ligne va trotter. C'est-à-dire que si je pêchais avec une antenne beaucoup trop fine, une antenne métallique ou une antenne fibre, en fait, je serais tout le temps aspiré sur le fond comme ça, et puis la moitié du temps, je ferrerais dans le vide, alors que ce sont vraiment pas des vraies touches. Donc là, le flotteur supporte 3 grammes. Il y a à peu près 1,80 m de fond, donc 3 grammes. Malgré ce que vous allez pouvoir voir, je ne vais pas pouvoir bloquer complètement la ligne, parce que pour la bloquer complètement, il faudrait à peu près 5-6 grammes. Et là, je vais vraiment pratiquer ce qu'on appelle une pêche à passer. Donc une ligne très très simple, hein. Un flotteur de 3 grammes, un corps de ligne de 15 centièmes, une plombée très simple, constituée de plomb rond. Ici, je préfère ne pas utiliser une olivette parce que si jamais c'est nécessaire, je vais pouvoir étaler tous mes plombs de manière une plombée vraiment très 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 étalée au cas où vraiment les poissons demanderaient beaucoup plus de souplesse, mais il faudrait quand même que je puisse pêcher lourd pour pouvoir bien retenir mon ligne. Donc voilà, un corps de ligne en 15 centièmes, un bas de ligne en 9 centièmes avec un hameçon, comme je le disais tout à l'heure, un hameçon longue tige de taille numéro 20. Donc j'ai prévu, pour pêcher, j'ai prévu bien sûr le pain comme je vous disais, mais j'ai aussi prévu quelques asticots au cas où, parce que rien ne vous empêche, c'est pas parce que vous amorcez au pain que vous êtes obligé de pêcher au pain à l'hameçon, même si bien sûr c'est plutôt sympa, et ça fonctionne la plupart du temps, mais il faut pas non plus se laisser abattre si jamais ça ne mord pas, on peut toujours placer un asticot. J'ai aussi prévu des grains de chènevis en fait, hein. Ça c'est un des autres appâts que j'aime beaucoup utiliser l'hiver. Bon, déjà pour sa densité, c'est-à-dire que en fait ça va me permettre d'agrainer, d'avoir un petit bruit qui rappellera au poisson ma présence assez régulièrement, et puis c'est une graine assez lourde, donc il va permettre de descendre sur le fond sans qu'elle soit trop emportée par le courant. Je vais peut-être pouvoir réussir à sélectionner les gros gardons comme ça. Voilà, sinon tout est prêt, il n'y a plus qu'à amorcer et voir si les poissons sont. Voilà, donc j'ai procédé à l'amorçage, il ne reste plus qu'à pêcher. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, il suffit de prélever dans la punch box, en fait il suffit de prélever la noquette de pain qu'on place à l'hameçon. Donc pareil, je vous refais la petite panier. Donc on utilise l'espèce de petite seringue qui est là, qui s'appelle le Red Puncher. Donc voilà. Donc là, bien à plat sur la tablette.
la bush box avec le, l'endroit où on positionne la, la tranche de pain de mie bien à plat. On fait comme si on voulait emporte-piécer un morceau de pâte à gâteau. On appuie sur la seringue, ça libère la noquette de pain et il suffit de positionner ça sur l'hameçon et c'est prêt à pêcher. C'est parti. En espérant que les poissons soient au rendez-vous. Il y a vraiment plus de courant que ce que je pensais. 3 grammes, c'est juste limite limite pour pêcher. Mais. Ah, une touche. Ah, j'ai décroché. Ça commence bien. Donc là, vous voyez, je viens de rater un poisson. Je l'ai décroché même au passage, même s'il n'était pas très gros. Mais en fait, la noquette de pain est toujours là. Je vais refaire une tentative. C'est important quand on pêche dans le courant, quand c'est une pêche comme ça à passer, comme je disais tout à l'heure, de ne pas trop réduire en fait la bannière. La bannière, c'est la longueur de nylon qui se trouve entre. Allez, on a un autre. J'ai été coupé dans mon explication. Comme je disais en fait. Hein. Ah. Allez, viens là. C'est un petit cheval. On le voit, hein. Lèche, je vais essayer de vous jouer ça. Pas facile quand on est tout seul. Donc là, on le voit, hein, le poisson a pris l'appât du bout des lèvres en fait et il faut ferrer immédiatement la touche. Donc ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, quand on pêche en rivière à passer comme c'est le cas là, la distance qui se trouve entre le flotteur et le sillon, on appelle ça la bannière, il faut veiller à ce que ce soit pas trop court. Parce que sinon, d'une part déjà c'est difficile de conduire la ligne, mais surtout ça va poser des tremblements au pain. C'est-à-dire que si la distance était, admettons, si on voulait pratiquer une pêche à bloquer, on pêcherait avec une bannière de 60-70 cm, là il vaut largement mieux mettre un bon mètre, 1,20 m. Entre le sillon et le flotteur pour éviter que la ligne ne tremble et que l'èche soit parfaitement présentée sur le fond et d'une manière assez souple. Donc on va. Je vais retenter ma chance. Allez, c'est parti. En espérant qu'il n'ait pas touché tout seul. Alors les touches au pain sont symptomatiques en fait, hein. C'est-à-dire que les touches sont très très franches, un peu comme au chenvi, donc il ne faut pas hésiter, hein. dès que le flotteur couille, il faut ferrer. Alors le temps qu'on trouve le bon réglage en rivière, ça peut prendre un peu de temps, mais là comme vous l'avez vu, en fait, hein, la première passe, j'ai décroché un petit poisson, deuxième coulée, j'ai tout de suite pris un petit chevel, en fait c'est preuve que les poissons sont en confiance. Lèche, le pain, je trouve que c'est le lèche vraiment divers par excellence. On peut prendre tout et n'importe quoi et je vous avoue que j'ai jamais fait capot au pain. Alors l'avantage en utilisant un hameçon à longue tige, comme je disais dans mon introduction tout à l'heure, hein, c'est vraiment pouvoir écher très très rapidement. Souvent on met plus de temps à écher le pain que d'avoir une touche. Alors grâce au pain, on peut avoir des surprises comme là. Je pense que c'est un petit chevesne que j'ai pris.
comme disent mes amis anglais, en fait, l'hiver, en plus il fait froid et plus ils sont affamés les chouettes. Et au pain, c'est vraiment une pêche super agréable. Voilà, j'arrive à la fin de ma partie de pêche. C'était une journée vraiment plutôt quelques heures au bord de l'eau, vraiment très très sympa. Un froid pas trop intense, surtout sec. C'était beaucoup plus agréable que de pêcher sous la pluie ou sous la neige. J'ai eu des touches, mais vraiment beaucoup de touches. C'est vraiment très très agréable. Essentiellement des petits chevaines. Quelques gardons plus jolis et des chevaines un petit peu plus gros qui sont venus se mêler à la fête. Voilà, donc j'ai pêché un petit peu plus de 3 heures. Et pour vous dire, je viens d'entamer ma deuxième tranche de pain. Et voilà ce que j'ai utilisé en fait de ma deuxième tranche de pain. J'en ai utilisé une complète où j'ai vraiment pas été à l'économie. J'ai pioché vraiment dans les parties les plus tendres du pain. Donc vous voyez, deux tranches de pain de mie pour l'hameçon pour 4 heures de pêche. Un demi-sac de pain broyé équivalent à celui-là que j'ai utilisé et que j'ai encore, dont il me reste encore près de la moitié, que je vais pouvoir réutiliser tout simplement demain ou après-demain pour aller pêcher, ou un autre jour tout simplement. Il suffit de l'enfermer dans un sac et de le placer au réfrigérateur. Même s'il rancit un petit peu, il sera toujours utilisable. Donc voilà, le gros avantage de la pêche au pain, c'est que c'est une pêche vraiment très très économique. Pas besoin d'asticots ni rien du tout. Les asticots, le chembi, tout ça, c'est vraiment du bonus. Donc voilà, si ça vous prend sur un coup de tête, vous n'avez pas d'éche au frigo, vous avez envie d'aller à la pêche, passez au supermarché, prenez du pain de mie, petite préparation, et puis vous êtes parti. Il faut vraiment pas beaucoup de matériel pour prendre du poisson. Donc voilà, il me reste plus qu'à emballer et à vous montrer le résultat de la bourriche, et à vous dire à bientôt pour une nouvelle partie de pêche avec pêche au côté. Voilà, la journée s'est bien passée. La nuit commence à tomber en fait, hein, sur Strasbourg, hein, il fait plutôt frais. Donc c'est le moment de vider de la bourriche. On va voir ce qu'il y a au fond. Ah, ça a l'air plutôt pas mal. Donc c'est essentiellement des chevaines de toutes les tailles, quelques gardons. Parfois pour une pêche d'hiver, ce serait dommage de se plaindre quand même. Alors quelques jolis gardons, celui-là, magnifique. Quelques jolis gardons au pain, c'est redoutable. Des chevaines de toutes les tailles, quelques beaux poissons. Les plus petits, comme je vous le disais, au pain c'est peut-être pas très 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 sélectif, hein, mais on prend vraiment de tout. Magnifique, j'ai passé vraiment une journée fantastique, j'ai vraiment pris un paquet de poissons. Alors je vous dis à bientôt au bord de l'eau, et j'espère que ces quelques conseils vous aideront à prendre du poisson. À bientôt, salut.